couper sans les poils. On a plus de 25 nœuds sur l'eau, donc c'est très dangereux pour les classiques. Par contre, on va se rattraper sur l'esprit classique, c'est-à-dire rester à quai, profiter, faire du spectacle et faire vivre ces bateaux qui sont légendaires. Morden couldn't go out too because the maneuvering back to port is going to be tricky. So we're going to discover the city and enjoy ourselves. Maybe a little bit of pétanque is going to be nice. And that's it. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La première fois que j'ai fait la New Largue, c'était avec un bateau qui s'appelait le Maillero. Après, ça a été le Lady First 1, puis le Lady First 2, et puis aujourd'hui, c'est Lady First 3. C'est un bateau qui ressemble, en tout cas vu de l'extérieur, à des bateaux comme des Wally. Hein. C'est un petit peu le même concept, avec vraiment, par contre, une capacité à naviguer sur de l'offshore. Nous, c'est ce qu'on cherchait. C'est un bateau rapide. Quand je parle de rapide, c'est bien sûr qu'on va un petit peu plus vite que le précédent que j'avais, le Lady First 2. Mais surtout, moi qui aime beaucoup faire des courses au large, j'ai fait pas mal de traversées. Voilà, on met un jour, deux jours, trois jours de moins, et c'est ça que j'appelle rapide. Ok, on y va pour hisser. Choque les écoutes, les gars. Okay. C'est la huitième navigation du bateau, donc on est encore vraiment dans l'apprentissage du bateau, on découvre les systèmes. C'est pour beaucoup de membres de l'équipage des choses nouvelles, hein, parce que c'est un équipage qui est à 90% amateur. Hein. Donc c'est des choses nouvelles que d'utiliser des winches hydrauliques, de découvrir cette taille de bateau. Puis plus, il y a la pression qui revient. Qui est... Comme c'est un premier de série, j'ai fait les choix que je voulais. Il est complètement customisé, mais je pense que les choix ont été à peu près bons puisque les bateaux suivants ressemblent beaucoup au mien. Ah, ça jaille. On espère monter petit à petit en grade et avec un objectif cette année qui est de participer à la suite des voiles de Saint-Tropez à la Middle Sea Race et ensuite un programme 2019 qui est assez ambitieux avec les courses anglaises. Donc voilà, plein de belles aventures qui se profilent. Ah, c'est un bateau magnifique. Rien que d'être dessus, ça fait plaisir, ça donne le sourire. J'aime beaucoup les voiles de Saint-Tropez. J'ai pas mal navigué un petit peu partout dans le monde. C'est ici qu'on voit les plus beaux bateaux. Et moi, j'aime beaucoup voir les beaux bateaux.